Eh bien, nous y voici, nous y voilà, dans la ville où j'aurais aimé débuter mon aventure. Gridania, la cité des arbres. Bonjour tout le monde, c'est Kirito Knight 064. J'espère que vous allez bien, moi ça va, et on est de retour pour un nouvel épisode de votre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Retrouvons donc Ishkiti et le petit panda Pato. Ouh, t'es très grand toi. Ouh, t'es très très grand. Dans la verdoyante cité de Gridania, où on doit donc remettre un message donc à celle qui représente la chef des armées de ce pays. Mais avant ça, il faut parler au garde de l'ordre des deux vipères qui se trouve à l'aérodrome. Et ça doit être lui. Vous êtes l'émissaire d'Uldah, n'est-ce pas? Bienvenue dans la cité forestière de Gridania. L'oracle vous attend. Et je veux pas dire, mais j'adore l'architecture des bâtiments. Tout boisé, tout... Waouh! C'est une fresque verte, ça, en face? Oh, c'est magnifique! Ah, j'ai presque regretté de pas être arrivé ici plus tôt. Enfin, on y est maintenant. Vous devez être l'émissaire d'Uldah, si je ne m'abuse. Soyez la bienvenue à Gridania. L'oracle Ken et Senna vous attend à la chaire du Lotus. Pour vous y rendre, marchez en direction de la vieille ville et allez à l'hôtel de Nofika. Là-bas, vous y trouverez une druidesse qui vous guidera jusqu'à l'oracle. D'accord. Sinon, c'est où la vieille ville? Tu m'as pas expliqué des masses. Ah, par là, c'est fermé. Déjà, c'est pas par là. C'est de l'eau qu'il y a là? Je peux y aller? Ah, c'est vicieux, le coup du mur invisible. Ah, je m'étonnais qu'il n'y en avait pas des masses jusqu'à présent, mais il y en a un peu, oui. Aux feuilles de Carline. Tavernière. Attendez, mais on est dans la guilde des aventuriers là. Tavernière, mandat, aubergiste. Ah ouais! Hey, je veux voir à quoi ressemblent les chambres. Tu es à la réception du perchoir. Ici, tu cherches quelque chose? Ben, je vais aller dans ma chambre. Repose-toi bien. Il est un peu plus normal que l'aubergiste de Limsa Lominsa, quand même. Forêt des sombres linceuls, Gridania. Waouh! Ah, ça y est, je veux loger ici. Je quitte ma chambre des sables mouvants d'Ulda. Et je déménage ici, moi. Waouh! Ah, c'est sympa! Je sais pas si mon avis est très objectif, mais je trouve toutes les zones de cette ville boisée vraiment sympa. Bon, sinon, il n'y a aucun marqueur sur la carte. Ça me perturbe un peu. C'est pas vraiment une ville, en fait, c'est une forêt. Ça fait plus forêt que ville, hein, je suis désolé, mais... En tout cas, ma tenue se marie parfaitement avec l'environnement. Ça fait quelques épisodes qu'on l'a, cette tenue, mais... Ouais, mais en fait, ça a l'air gigantesque. C'est sympa! Au bord de l'eau et tout, là... Ah, je crois que... Ça y est, c'est officiel. Ça va être ma ville préférée. C'était déjà le cas. C'était ce que je pensais dès le départ, démarrer ici. Eh bien, bon, on va se synchroniser déjà. On va s'harmoniser avec les Térites dans un premier temps. Par contre, je vois pas de marqueur de quête. Il a dit d'aller à la vieille Gridania aussi, la vieille ville. Par contre, je sais pas du tout par où il faut passer pour y aller. Ils sont bien mignons de me lâcher dans la nature comme ça, mais... Cul-de-sac. C'est pas par là. Il y a un bâtiment ici en face. Une fleuriste. Une fleuriste. Ah ouais. On va aller voir ce bâtiment. La guilde des menuisiers.
Ah, oh, chouette! Eh, il est classe. L'armoire, là, j'aime bien. Ah ouais, l'arrière-boutique et tout, c'est trop bien fait. Et je veux pas dire, mais les guildes ici, elles ont plus de gueule qu'à Hulda, hein. Après, est-ce que se ressemblent toutes ici? À Hulda, elles se ressemblent toutes. Hein. Le nœud... Je sais pas où on va, mais on y va. Quartier général des deux vipères. Les deux vipères, j'imagine que c'est la garde, enfin ce qui représente un petit peu la garde de la ville. S'il y a des mannequins d'entraînement, ça c'est fermé. On est perdu. Promenons-nous dans les bois pendant que mon maudit n'y est pas. On est perdu. Je le dis officiellement, on est perdu. Je sais pas où il faut aller, il n'y a pas de marqueur. Ici ça a l'air fermé. Porte du loup blanc. Ah, je peux pas aller dans la tour de Guy. Ah, ça aurait été trop... Ça aurait été trop bien. On va voir ce qu'il y a par là. Tout simplement. Ah, vieille Gridania. Mais je suis un boulet, moi aussi. Ils ont dit qu'il fallait aller à la vieille Gridania. Est-ce que je pouvais savoir où c'était, moi? Et je vous jure que la musique fait trop Seigneur des Anneaux. On se croirait au tout début, dans le village des Hobbits. Vous êtes l'ambassadrice d'Hulda, vous dites. Auriez-vous un document ou quoi que ce soit qui atteste de votre identité, par hasard? Ce n'est pas que je doute de vos propos, mais je préfère être prudente. Tiens. C'est bien le sceau du général Aldin. Très bien, veuillez me suivre, je vais vous conduire à notre oracle. On va voir Luna Freya? Non, c'est bon, je me cache. Je me tais. Ah, vous voilà. Vous êtes l'envoyé d'Hulda, n'est-ce pas? Je vous attendais. Suivez-moi, je vous prie. Aventurière, je vous souhaite la bienvenue à Gridania. Je me nomme Khan Essena, et je suis à la tête de l'Ordre des Deux Vipères, la grande compagnie de cette cité. Alors, que me veut le général Roban? Je vois. Le général souhaite discuter de la préparation des cérémonies de commémoration de la bataille de Cartenau. Et êtes-vous de la... Êtes-vous au fait de la tension qui perdure entre Orzea et l'Empire de Garnemald et du passif des deux régions? Ah, je comprends. L'amiral vous a exposé les grandes lignes. Je connais bien là sa sagacité de celle que l'on surnomme la Dame d'Acier. Un message pour moi de sa part? Le loup est sorti du bois? Je vois. Je pense que je devrais vous donner quelques explications supplémentaires au sujet de l'Empire et du formidable essor qu'il a connu. Il y a encore 50 ans, Garlemald n'était qu'un petit pays niché sur le continent nordique d'Issabar. Mais sa technologie magitech lui a permis entre autres de développer des armes puissantes. Il a ainsi pris une grande importance dans la région en quelques années, ayant aisément soumis et annexé les autres provinces du nord, et ensuite brigué les territoires éorzéens.
Or, cette influence a été acquise en l'espace d'une seule génération. L'empereur qui régnait alors a aujourd'hui plus de 80 ans et son entourage se déchire autour de sa succession. Le souverain Garlemaldé jouit d'un pouvoir de droit divin. Une succession ratée pourrait porter un coup fatal à la puissante dynastie et le pays pourrait s'effondrer de l'intérieur. Pour cette raison, l'Empire évite les manœuvres hardies et les prises de risques et se tient à carreau depuis le fléau. Grâce à cette relative passivité, les nations éorzéennes ont pu se concentrer sur l'effort de reconstruction. Nous devons malgré tout rester vigilants, car la 14e légion de Garlemald est toujours postée aux frontières d'Eorzea, avec à sa tête le général Gallus van Baelsar. La seule présence de cet homme constitue une sérieuse menace pour la paix de la région. Toutes les ressources de nos cités-états sont encore fortement mobilisées par la reconstruction. Aussi, le moment n'est pas favorable pour de nouvelles frictions avec l'Empire. Dans l'état actuel des choses, mieux vaudrait retarder au maximum l'écartement d'un éventuel conflit. Et puis, Garlemald n'est pas la seule puissance qui nous menace. Comme vous le savez, chaque pays a ses problèmes spécifiques et il ne faut pas oublier le danger des tribus barbares. Les cités s'occupent en priorité des problèmes qui les touchent immédiatement, comme les primordiaux. Elles n'ont guère le loisir de s'inquiéter de menaces éloignées. L'amiral nous a dit que le loup est sorti du bois. Je pense que ce message signifie que Caius va bientôt se manifester. Il y a fort à parier qu'il prépare quelque chose. Si Garlemald et sa 14e légion se mettent en branle, il ne sera plus question de combattre les primordiaux. Roban a sans doute raison. Si nous organisons des cérémonies de commémoration de la bataille de Carthenaux, le moment serait donc opportun pour revenir sur les événements qui nous y ont menés. Je me soufflais un peu. Il y a de quoi lire, hein. Merci de votre coopération. Je vais répondre directement au général Aldin. Et que le cristal vous montre toujours la voie. Et là, je fais un grand... Ouf ! Vous avez désormais accès à l'aéronef de ligne. Vous pourrez vous rendre dans l'aérodrome à chaque cité et prendre la navette qui reliera Gridania à Limsa, Lomensa et Ulda, moyennant une petite somme d'argent. Ah, c'est pas gratuit. Hey, j'ai laissé passer, vous êtes vraiment... Oh là 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 là. Franchement. On va explorer un petit peu ça tranquillou, 2 minutes. Par contre, je me tais parce que j'ai besoin de récupérer un peu mon souffle. C'est doublage. C'est doublage, ça me... Ouh. A de suite.
Alors, on en était où? Un officier de l'ordre des deux vipères cherche un aventurier expérimenté. Vous avez rempli votre mission d'émissaire avec brio. Maintenant que vous pouvez circuler rapidement entre les trois cités, j'aurai une nouvelle mission à vous confier. Lorsque vous avez effectué une visite officielle à Limsa Lominsa, en tant qu'émissaire, votre réputation est parvenue aux oreilles d'un Limséen du nom de Baderon. Or, il nous fait savoir qu'il cherche justement une aventurière compétente pour remplir une mission. Pourriez-vous aller lui parler à l'auberge du Dauphin Noyé? Ah, on connaît, on y est allé. Le Dauphin Noyé. On y est allé, on connaît. Je crois même que j'avais dit un truc dessus. Je sais plus que ce que c'était d'ailleurs. D'accord. Donc il faut retourner aux aéronefs. Et par où c'est? Par où c'est? Sachant qu'on est dans la vieille Gridania. Et que les aéronefs, ça doit être dans... Ah ben, je sais pas, dans la nouvelle Gridania. J'aime bien le moulin là, ou à gauche. Les joueurs font vraiment des choses étranges. On ne dira rien. Un meunier. Alors, où c'est les aéronefs? J'ai du mal avec cette carte. Voilà, ça c'est le zoom. Donc, ah, c'est pas vrai. Pourquoi à chaque fois il faut que je bouge mon perso? Voilà. Alors, responsable des Link Shell. Là, il y a des quêtes. Là, il y a une éthérite. Ça n'a pas l'air d'être par là. Non, sérieusement, c'est où? Les amis, on est perdu. Ah, il y a l'air d'y avoir un marché là. On pourrait aller voir le marché. C'est par là. On va aller voir le marché. Et ça, qu'est-ce que c'est? On dirait une espèce de salle de spectacle. Je sais pas. Elle est vraiment géniale, cette ville. Par contre, je sens qu'on peut s'y perdre plus facilement qu'à Ulda, ça m'étonnerait pas. C'est quoi ça? La guilde des tanneurs. En fait, ici, c'est la ville pour le craft et tout, quoi. Mobilier, machin. Ouais, elle nous dit la même chose qu'à Ulda. Je dois pas avoir le niveau de renommée ou je ne sais trop quoi pour avoir des servants. C'est pas bien grave. Petit, hein, certissage, armure, tiens. Ouais, en fait... J'ai l'impression qu'il propose les mêmes choses. Ouais, les mêmes choses qu'à Ulda en fait. Ouais. Eh bien, nous voilà revenus à la case départ. Je crois que c'est. Les aéronefs sont ici, je crois. Voilà. La guilde. Et
réparation. Non, c'est pas ça. Il est où l'ascenseur qui est censé... Ah non, mais il n'y avait pas d'ascenseur, c'était un escalier. Ah oui, mais à Ulda et à Lim Salomon, ça, c'est un ascenseur qui nous met aux... qui nous mène aux aéronefs aussi. Le filtre brouillard cache misère. Bon, on dira rien, on dira rien. Ce jeu a également plein de qualités autres. Alors, bah billet. On va à Lim Salomon, ça, ils ont dit. Je peux aller à Goldsauser? Je voudrais voir ce que ça donne. Je vous prie de m'excuser, mais je ne peux pas vous laisser embarquer pour Goldsauser si vous ne disposez pas du laissez-passer nécessaire. Bien sûr. Ok. Bon, et Lim Salomon, ça? Ça, je peux, j'ai le laissez-passer. 120 guilds! Eh, bande de rapia, oh! C'est des voleurs! Bon, ben, c'est parti, les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, et moi, je vous retrouve très bientôt pour de prochains épisodes sur Final Fantasy XIV. D'ici là, portez-vous bien. C'était Kirito. À bientôt!